mesdames, messieurs, chers amis, en tant que présidente de la Fondation Yann Michalski et du jury de ce prix Yann Michalski, je suis ravie de saluer ici des amis, des auteurs, des représentants des milieux culturels et de la presse, et surtout les membres du jury et notre lauréat à l'occasion de cette deuxième édition du prix Yann Michalski de littérature. Je remercie une fois encore les éditions Noir sur Blanc pour leur hospitalité renouvelée. Avant de dévoiler le nom du lauréat que vous attendez tous, j'aimerais revenir sur la jeune histoire du prix Yann Michalski. Ce prix, attribué par la Fondation Yann Michalski, se veut international et exigeant. Il entend se démarquer des autres prix en s'intéressant à tous les genres littéraires et à toutes les langues du monde. Seuls les membres de notre jury, multilingues et aux sensibilités variées, peuvent proposer deux livres chacun. Autant vous dire, nous ne sommes pas donc envahis de livres comme d'autres jurys, mais dès le début, la sélection est faite de façon à ce qu'on ait la qualité à l'esprit. Les membres du jury fonctionnent ainsi comme de véritables rabatteurs, attentifs à repérer les livres qui sortent du lot, quelle que soit leur langue d'origine. Je les remercie pour leur engagement, malgré les distances souvent considérables. Je ne voudrais pas vous faire attendre plus longtemps, et donc je suis heureuse de vous annoncer que le lauréat du prix Yann Michalski de littérature 2011 est Georgi Dragoman pour son roman Le Roi Blanc, édité chez Gallimard. Georgi Dragoman vit à Budapest depuis 1988. Sa langue maternelle est le hongrois. Avec Le Roi Blanc, il signe un chef-d'œuvre dérangeant et fascinant et ouvre de nouveaux horizons aux littératures d'Europe de l'Est qui n'ont que récemment relevé le défi d'aborder les complexités de la vie et les souffrances pendant l'ère communiste. Toutes nos félicitations au lauréat du prix Yann Michalski de l'année 2011, Georgi Dragoman. What I loved about Dragoman's novel, The White King, is that it manages to be playful, humane, and talks about the survival of not only the humanity of the narrator and the person whom he is dealing with, but also the continued survival of integrity. And I congratulate him for winning the prize and hope that he will produce many more wonderful, wonderful novels. Thank you very much. It is a novel of a childhood devastated by a communist system, a destroyed language, and dreadful and unspeakable emotions of a child. Thank you very much, George, for your book. Alors, c'est un roman de survie, et c'est un roman de belle survie. Et finalement, cette façon de faire revivre l'angoisse que l'autre Europe nous a exprimée et transmise, cette façon que moi je trouvais un petit peu dickensienne, elle est relativement optimiste. Et je félicite Georgi Dragoman. Bravo pour ce courage, bravo pour cette sublime solitude, bravo pour la beauté de l'histoire qui est d'une violence inouïe, mais au travers les yeux de cet enfant et le cœur de cet enfant, on apprend encore une fois de terribles choses sur notre inhumanité, mais vous avez un talent pour le transmettre de manière simple et naturelle et légère. Et vous méritez de grands, grands encouragements. Donc, merci à vous. Cette année, en hommage à Olivier, récemment disparu, qu'on aimait beaucoup, nous avons décidé donc d'offrir au lauréat une toile d'Olivier.
Olivier, on pourrait dire tellement de choses sur lui. On aimait son sens de l'absurde, on aimait ses tableaux qui étaient toujours un petit peu inquiétants. Et c'était quand même surtout un grand philosophe et un grand amateur de la vie. Alors, nous allons dévoiler cette œuvre qui est là derrière. Et Claudine va vous dire quelques mots. Alors, les paysages, il avait bien envie d'en faire, mais il me disait, un horizon comme ça, ça ne m'intéresse pas. Alors, un jour, il est arrivé, il m'a dit, ça y est, je crois que j'ai trouvé, je vais prendre un grand horizon, mais ça ferait des tableaux beaucoup trop grands, je vais prendre les deux bouts de chaque côté de cet horizon et je vais les remonter. Comme ça, on aura un très grand tableau, mais sur un petit format. Alors voilà, je suis très heureuse et je remercie beaucoup Vera de l'hommage qu'elle fait à Olivier. I thank everybody for the kind words, and I wouldn't even say that this is a dream come true, because at the time when I wrote, when the events which inspired the book happened, even this dream was not possible. So the fact that I will ever go to Switzerland was so unlikely as if I would ever go to the moon. And to go to Switzerland and get a prize there for the book, this is something beyond feasible, really. Now I read a short passage in Hungarian so you can get a grasp of the language and the rhythm. I read it very fast. I always read very fast and talk very fast. Do not mind it. This is the way this book is breathless. And I was breathless when I wrote it. Tulipánok. Az ébresztő órát este a párnámon dugtam, hogy csak én halljam meg a csergését, és anya ne ébredjen fel. De az óra még nem is szólt, én már ébren voltam, annyira készültem a meglepetésre. Thank you very much. Le même extrait, un peu plus long et un peu moins vite. J'ai vu son visage quand elle a aperçu les tulipes. Elle est devenue toute blanche. Elle s'est retenue d'une main au battant de la porte. Elle a ouvert la bouche, je croyais qu'elle allait sourire. On aurait dit qu'elle voulait crier ou hurler, comme si elle était très en colère, comme si elle avait mal quelque part. Je lui ai dit, attends, maman, je vais voir qui c'est.